Unicorn Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de Assassin's Creed Unity. Donc nous sommes rendus à la next 6, je crois, sans être vraiment sûr. Donc, on va faire comme d'habitude, je vais prendre la cocarde qui est devant moi. La cocarde, c'est bon. Allez, il y en a une autre là-bas, on va aller chercher. Faudrait que je fasse un petit peu aussi de points... de points de synchronisation, ça va pas être mal. Voilà, juste à côté de moi en plus, donc c'est parfait. Allez, on y va, motivé. Je passe par la fenêtre. Allez, c'est parti. Bon, ça est juste là. À mon avis. Ouais, tu vois ça comme ça, toi. Problème. Pas de soucis. Allez. On va peut-être mieux voir aussi après, parce que là... On va essayer de faire comme d'habitude une petite mission, je sais pas ce que je vais trouver, hein, mais une petite mission annexe, donc je sais pas, ce sera une enquête ou comme la dernière fois ou autre chose. On verra bien. Pourquoi je ne peux pas monter? Voilà. Quel endroit qui pouvait monter, c'est bon. C'est pas où là où j'étais. Hop là. C'est un peu mieux. Alors, la concarde, elle est où? Ah, d'accord, je la vois. Hop, hop, hop. C'est quand même beaucoup mieux comment il descend, quand même. Avant, il n'allait pas aussi rapide. Non, il était juste avant. Non, tu peux monter. Allez, voilà. Allez. Allez, mon gamin. Alors, elle est là-bas. Ok. Ah, comment je vais réussir à voir ça, moi? Encore une autre question. Ouais, c'est... Alors, du coup, maintenant, la dernière fois, on avait appris la technique crochetage, il me semble. Il me semble que j'avais assez pour le faire. Donc, par logique, le coffre qui est là. Je vais le prendre. Par contre, il est là-haut, je pense. Attends. Allez, on va essayer. Est-ce que c'est là? Non plus. C'est bien les maisons à étage, hein. C'est vraiment pratique. Hop. Je pense pas que c'est là non plus. Non. Ah, c'est là. Alors, non, tu restes en haut. Oh, c'était là parce que le coffre est un peu plus rouge, mais c'est pas là. Donc là, normalement. Voilà. Alors, pour déplacer la goupille, appuyez sur X lorsque la barre se trouve dans la zone sûre. Waouh. Ah ouais, d'accord, il faut décrocher en plus. Bon. J'ai vu une boutique pas loin. On va aller vite fait. Seigneur, n'est-il pas si... Bah, bien fait avec les escrocs. Fichez le pas. Allez, on se fait. Voilà, ça, c'est réglé. T'en mets un temps à te casser la gueule, mais... Alors, interagir.
Consommables, gaz toxique, grenade, bombe, pétard, bourse, munitions, remède, crochet. J'aurais bien voulu en prendre maximum en fait. D'accord, donc c'est 5 le maximum. Lame fantôme. Ok, je regarde un petit peu ce qu'il y a autrement, hein. Dans compétences, de toute façon, on va passer. Combination d'équipement, arme. À une main. Peut-être descendre. Elle est pas mal, celle-là, hein. Étoile du matin, également appelée Morningstar ou Morgenstern. Cette boule à pointe montée sur un manche peut briser un crâne. Intéressant. En fait, c'est soit 1000, soit 5000. Il n'y a pas le juste milieu. Donc, je vais faire ce jeu à tombe tout simplement d'avoir 5000 et je me jeterai celle-là. Donc, voilà. Donc, on va remonter. Allez, on va remonter. On va réessayer le coffre. Premier coffre qu'on va crocheter. Allez, hop. Oh, tu te bouges une mutation. C'est pas mal. Allez, hop là. Hop là. Alors. Oh putain. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Voilà. Alors, on a eu quoi? 150 francs. Et c'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rien à la carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis où, moi? Je suis là. Bah écoutez, je vais aller faire le tour comme ça. Ouais, on va déjà choper tous les coffres de la zone. Et ensuite, si on a encore un peu de temps, je pense que oui, on ira faire une petite mission. Tranquillement. Alors, je pense que vu que le coffre il est assez illuminé, on va être en haut. Ça suffit maintenant. Je ne vais pas me laisser malmener. Tac. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, on peut même crocheter l'un des portes, quoi. Ah ouais. Non mais lol, quoi. Sérieusement. Bah oui, non, c'était juste obligé. Bon bah le coffre va rester là où qu'il est, hein. Parce que je pense qu'il est en haut, hein. Je veux que ça passe bien. Ma vie, faut ouvrir la porte pour avoir le coffre. Je ne peux pas. Hop. C'est pas grave, c'est comme le coffre dans les égouts la dernière fois que j'avais laissé. On sait très bien qu'on va y revenir à un moment ou à un autre, je pense. Donc c'est pas gênant. Hop là. Ça m'a intimidé. Je pourrais le regretter. Ta gueule. Voilà. Ça, c'est fait. Mon coffre, du coup, je l'ai pris. Hein. Oui. Je pensais pas. J'avais dit la dernière fois, j'aurais mis internet. Pouvoir faire le online et j'ai oublié en fait de le faire, donc ça sera pour un autre prochain coup. C'est pas grave. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Ça se trouve, c'est en bas en fait. Juste aller voir en bas parce que bon, c'est en bas. Non. De toute façon, on va remonter, hein, y a plus le choix. Y a pas le choix.
Hop. L'ami, on cherche à s'informer par ici. Par ici. Ah, c'est pour rejoindre Versailles, d'accord. D'accord, d'accord. Mon sol là. Ouais, c'est là. Et toi, que faisais-tu près du mur du pont, ami? Rien. Je prenais l'air, c'est tout. Je n'en doute pas. Bien dormi, monsieur? C'est quoi déjà? Ça, c'est pour rénover. D'accord. Vilaine affaire à Notre-Dame. Et le truc que je cherche, moi, il est. Mais bon. Je vais pas en haut, même si je pense pas que c'est là-haut. Comme on dit, on ne sait jamais. Où est ce truc? Où est ce truc? C'est quoi en fait? C'est l'énigme de Nostradamus. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. C'est les énigmes que j'ai trouvées une fois sur le pont. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille en dessous de leur sous-sol. Et en sous-sol, et où, je sais pas. Là. 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 Impressionnant, non? Qu'est-ce que c'est? Un héritage de la confrérie. Cette armure était celle de Thomas de Carneillo. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. C'est lui qui a mené l'attaque et qui a permis la capture de Jacques de Molay. Il a sapé le pouvoir des Templiers d'Europe pendant plus d'un siècle. L'usage voulait que cette armure revienne à un assassin qui a fait honneur à la confrérie et à la France. Le sceau qui ouvre cette salle a été perdu il y a plus de deux siècles. Personne ne l'a ouverte depuis. Je vois pourquoi il n'était pas question d'appeler un serrurier. Parlez-moi de ce sceau. Il était composé de trois anneaux, un pour chaque porte. Mais il a été brisé avant même d'être perdu. Ces fragments sont sans nul doute éparpillés dans Paris. Mais nous ne disposons que de vagues indices sur leurs emplacements. Et si quelqu'un les retrouvait tous, considérerait-on que cette personne a fait honneur à la confrérie et à la France? Je suppose que ce serait le cas. Ok, donc objectif, avoir cette tenue. Cette belle tenue en plus, quoi. Elle est vraiment chouette. On n'a pas été dans quelqu'un derrière cette porte. Juste derrière vous, la première Alice. Oui. Alors, je suis en plus en plus souvent sujet à des visions, des phases obscures, des étranges, dont votre signification dépasse mon entendement. Ces visions sont révélées d'une telle force que je suis rentré en transe. J'ai vu un imposant disque qui était brisé en de multiples fragments éparpillés dans un Paris que j'ai à peine connu tant qu'il était transformé. Chaque fragment du disque était accompagné de 4-1 d'une terreur inconnue et à chacun correspondait un symbole. À mon réveil, j'ai noté les formules et les symboles associés à chacun. C'est à plus instruit que moi qui reviendra dans résoudre le sens et dans s'emparer des objets de valeur qui protègent. Ok. Trouver le symbole. Le symbole, c'est celui-là. Non? Le symbole. Le symbole, c'est lui qui a son symbole. Ah, ok.
c'est ça? Je comprends pas tout en fait là. Où est le symbole? Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre parce que là, là ça va pas. La logique voudrait que le symbole soit celui-là. Pour aller au conseil de ça. Bienvenue au siège des assassins, monsieur. J'imagine que ces quartiers ne sont pas ouverts au public. En effet. C'est un club privé, réservé à nos frères et sœurs assassins. Vous pensez que cela ne suffit pas d'appartenir à une seule société secrète? Certaines missions nécessitent les compétences de plusieurs assassins. Lorsque c'est le cas, beaucoup préfèrent avoir affaire à la même équipe. On finit par connaître les forces et les faiblesses des autres, par savoir comment chacun réagit en situation de crise. Appartenir à un club facilite l'organisation de telles équipes. J'imagine que cela vaut mieux que de s'allier avec le premier venu. En effet. Ok, là c'est quoi? Profit du club. Là c'est caler au club, enfin se battre avec les autres. Là c'est l'objectif. Et là nous avons la compétition. D'accord. D'accord, d'accord. Ah donc il y a pas mal de choses pour s'amuser quoi. Donc, je ferai peut-être une séance en ligne avec quelqu'un. Je vais voir. Je vais vous retirer le courant, bien sûr. Je vais regarder la carte par rapport à la mission parce que là. Là, c'est qu'il y a rien qui correspond bien encore. Ouais, bon, je me pencherai dans le sujet. Seul un de ces quatre, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que là je perds plus souvent dans vos choses et perdre votre temps en même temps. C'est pas franchement le but. Donc là-bas. Alors. Ouais, là-bas au coffre. Non, mais je regarde exactement. Comment se passent les énigmes de Stradivarius sans donner la réponse, hein, mais juste me renseigner parce que je crois que j'ai pas compris du tout comment récupérer quoi. Paye le voleur bourré, toi. Paye le voleur bourré, un chemin. Bah, rends les sous la petite dame. Hop. Allez. Hop. Là. Moi, est-ce que j'ai 5000? C'est bien. Hey, 5045, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai un marchand près de moi? Donc, là, on est là-bas. Donc, j'ai le temps de faire tous les coffres avant. Ah, pas tous les coffres non plus, mais une partie. Hop là. Bonjour le chat. Alors,
Hop, hop. Ça va être en haut, du coup. Tac. En haut, de l'autre côté, j'ai l'impression plus qu'autre chose. Hop, hop, hop. Allez, descend. Descend. Je pense que c'est là. Non, mon gars. Voilà. C'est ça. C'est juste. Yahoo! Je descends. Voilà. Ensuite. C'est pas de côté. Comment ça? Si. Nous sommes venus aussi vite. Là. On va essayer de récupérer ce qui est à côté de moi. Parce que la dernière fois, je me suis penché sur le sujet, c'est pareil. Parce que moi, je pensais que c'était une porte. C'est vrai que ça ressemble à une porte, tout simple. Mais non, pas du tout. C'est un objet à collecter. Pas le savoir, mais. Ouais. C'est un objet à collecter, donc. Donc voilà, au moins vous le savez si vous jouez à Assassin's Creed. Alors là, le truc en question, c'est ça. C'est un blason en fait, tout simplement, un artefact. Voilà. Faut le savoir, moi je vous le dis franchement, faut le savoir. Mais bon, maintenant je le sais, c'est plus un problème. Hop là. Le marchand il est dedans. Il ferme la porte, laisse ouvrir la fenêtre. Le coffre il se tue. Excusez-moi. C'est pas là. Je vais aller voir après. C'est en haut, je pense. Alors. Consommable déjà. Oh, je vais pas racheter. Ce que j'allais dire, j'allais racheter des crochets, mais non. Parce que si j'achète des crochets, j'aurais peut-être plus assez après pour acheter mon book. Et c'est ça que je vais acheter. Ouais. C'est beau le truc quand même, franchement. Je kiffe. Hein. Je kiffe. A bien tapé là. Du coup, consommable. Crochet. Ouais, c'est nickel. Ah non, putain. 250, j'ai 245. Mais c'est pas pour sauver la gueule, franchement. Alors, bon, ça c'est bon. Ensuite, on va aller chercher le coffre. Oh, le coffre il est pas là. Hein. D'accord. Donc, excuse-moi, monsieur. Hop là. Ça vous plaît pas? C'est pareil. Là. Allez. Mais quand même. Voilà. Et voilà. Tac. Alors, bien. Excusez-moi. Du coup, bah, on va faire directement le coffre qui est là, hein. Que j'ai vu tout à l'heure. Merde, je sais plus quelle direction il était. Merde. Ok. Hop, hop. Ah, j'ai trouvé le symbole de Stradamus encore. Je vais le voir. Il a encore disparu. Hein. Bien. C'est un bon assassin. Un bon assassin. Pas de problème. Allez. Ouais, il est juste là. Allez, on va encore rigoler un petit peu. Ça, c'est quand même mal foutu, hein. Franchement, je préférais avant le système qu'il y avait sur les autres.
les autres Assassin's Creed. Que ce soit Black Flag ou je préfère. Tac. Ensuite, on va aller là. Hop. 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 Tac. Ensuite, on va faire ça. On va faire ça. Ça. Là. Là. Aïe, hein, c'est l'assassin. On peut quand même bien s'amuser un petit peu sur les toits. Hein. Allez. Ah, il reste 45 mètres. Là, je suis sûr que c'est en bas. C'est juste pour me faire chier. Voilà. Exemple typique. Moi, je descends, faut que je monte. Et inversement. Hop là. J'aimerais bien avoir un petit conflit, merde, mais. J'aimerais bien avoir un petit conflit quand même. Pour tester ma masse. Sympa. Alors, pour lui expliquer la situation. C'est amusant. Il se passe clairement quelque chose. Tuer les criminels. Voilà, c'est tout ton argent. Mon immeuble et même particulièrement hideux. Non, c'était pas le bon. Attends, gentil. À l'odeur, il a vu les mouches les appliquer. Une capuche ajustée de rôdeur. Ok, c'est cool. Je savais pas qu'on mettait des fringues comme ça dans ce billet là. Où tu vas? Tu as changé? J'ai encore fait de plus. Alors, t'en penses quoi, mon garçon? Ah, ça pique, hein? Ah bah, tu m'étonnes. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le coin maintenant? Alors, j'ai une cocarde là-bas. J'ai une cocarde là-bas. Est-ce qu'on a même plus le symbole de l'Astradamus? Ouais, quand même, on a des conneries, mais. Non, je le vois pas. Je le vois pas. Non, mais je sais pas, je vais rien laisser là, je vais rester tranquillement. Et surtout, je mettrai le fil du online pour chaque coup. Essaye un petit peu. Je pense que je ferai une découverte seule et sûrement de la coop après avec des amis qui ont. Quoi? Hé! Hey, c'est à moi! À l'aide! Quelqu'un au volant! Ouais, je m'en occupe. Hop là! C'est rapide et ça rapporte. Un amant surpris par le mari. Alors, la cocarde, elle est là. Ça y va. Je sais pourquoi tu la prends pas, mon garçon. Mais si, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a autrement là, quoi? Moi, j'aimerais bien faire la tour vite fait avant de vous laisser. Comme ça, la prochaine fois, on a quand même deux quêtes principales, enfin deux quêtes annexes, je veux dire, excusez-moi, dans le coin. Mais au moins, on aura découvert un peu le point de vue. Ce que je vais faire, je pense, tranquillement. Pas peu longtemps, et comme il ne reste pas beaucoup de temps, bon, je vous laisse. Ça colle. Alors. Ah, et qu'on garde là. Il n'est pas dans la pipe là. Des fois, on sait jamais. Hein. Ah non, il est en haut. Allez, hop. Hop. C'est ça aussi, c'est quand on découvre. Enfin, quand on fait pas les points de vue, du coup, on voit pas qui sont. Allez. Hop.
Ah, c'est quand même juste dommage quand même pour les chevaux. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait quand même pas mal de chevaux à Paris. Dis-moi où est caché l'argent. Oh, putain, directement, ça le pique. Directement. Ah, allez. Allez, ça s'est réglé, voilà. Pas 3 heures maintenant. Alors, j'ai quelques gardes à côté, hein, mais je vais pas aller la chercher. Hop. Allez, hop, monte, monte. Hop. Hop. Ah ouais, c'est tout là-bas quand même. Okay. Bon. Je vais ça plus près personnellement. Et ben, c'est pas grave. J'ai dit que je la ferai avant de vous quitter. Il y a un petit coffre là. Pas grave. Du coup. Ouais, descend, vas-y, descend, tu vois. Allez, on va faire ça. 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 Tu peux monter là? Ça dans ce cas-là. Ça peut être comme ça. Ça peut pas être comme ça du tout. Allez, il y a un trou là. Allez. Tu veux le faire en plus quoi. Ah, la tristesse du peuple. Parce que ouais, il est juste là. Donc tu montres. Ouais, tu peux... D'accord. En fait, c'est moins facile que ce que je pensais. En fait... facilement entre guillemets rentrer bah dans la fenêtre quoi mais ouais on peut faire autre chose. Ta gueule. Voilà. À défaut, je vais rester un prochain coup. Hein. Je vais rester vraiment le prochain coup. Je pense que là, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas d'idée. Donc, ça arrive, je pourrais perdre du temps, entre guillemets, bêtement. Donc, je vais vous laisser là, les gamers, en espérant que le gameplay vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Voilà. Je voulais descendre avant de vous laisser. Allez, à bientôt les gars.